réglage du son comme habituel. Ça nickel. Hop, on se retrouve sur du GTA RP. Tu peux. Hop. On se retrouve. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai légèrement joué depuis. Vraiment tout petit peu. Et du coup, j'ai eu un entretien chez les taxis qui se soldait par vous êtes pris. Et du coup, on va aller faire l'entretien tranquillement. Un peu marré. Hop. Hop, on va aller être formé aujourd'hui chez nos amis des taxis. Non. Ça fait quand même bizarre le bruit. Ça le fait. Et ça peut avoir une petite équipe. Ça le fait comme ça. Hop, la tenue un peu plus classe. Et voilà. Ok. Bon. Pas des masses de thunes. On doit monter chez les taxis tranquille. Et ça le fait. Ça fait mec respectueux, mais à la fois, tu vois, côté un peu putain, Peaky Blinders. Bon, faut qu'on monte chez les taxis sans trop bouffer parce que vu notre. Vu qu'on s'est fait renverser une ou deux fois, on va voir ce qui va se passer. Petite formation, tout cela. En attendant qu'il nous appelle, on va juste vérifier un truc. J'aimerais voir le prix d'un véhicule. Peu cher la Buffalo, non pas. Ok. On a beaucoup de choses. Est-ce qu'on. Soit on prend ça, on va tirer sur la petite comète.
Il va falloir plus de temps. Ou l'euro, elle a l'air vraiment bien. Sinon, là. Fusillade, jamais la bruit. Ouh, la Buffalo. Hein. On verra. Ok. Bon, allez se reformer. Tum, tum, tum. Il faut qu'on ne se rende pas rond de la drogue, qu'on soit atteint comme ça en ville. Kappa. Aussi envoyé un petit message à la personne qui nous avait pas mal aidé pour voir s'il n'y avait pas un truc à faire avec les véhicules, parce que bon, la drogue c'est bien mais c'est casse-couille, il y a trop de risques pour l'instant. Il veut pas voir le jeune, il veut pas trop la police, il veut éviter de la, tu vois, voilà quoi, toi avec ce qu'on lui avait proposé, mais pour l'instant il n'y a pas. Bon, il voit la police, mieux c'est, donc quand il rentre à la police, il va avoir des bons contacts. S'il rentre à la police, rien ne me dit qu'il va aller rentrer. J'ai bougé. Donc, premier truc à faire pour John, se trouver un appart. Il en a vu. Enfin, lui pas encore, hein. Il ira voir. Il en a un là, près de là où il va travailler, qui est bon. À 130 000, c'est cher. Mais il ira voir d'autres, peut-être des petits apparts plus miteux pour commencer. Mais... voilà. J'étais sur le seul truc où il n'y a pas moyen de descendre. Allô? Allô? Oui, dans 10 minutes au dépôt du taxi, ça vous va? Pas de soucis. Eh bah ben, écoutez, bah dans 10 minutes. Attends, moi, je 10 vous minutes. Attendrai, je serai devant l'entrée, ou enfin pour la porte. Très voilà, bien. Voilà. À tout de suite. Ah, ça c'était pas enregistré. Bon, on va monter tranquille au taxi. Chose. Bien. Allez, on peut le faire. Il met juste le temps de monter à pied. Hein.
Passeur, 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 rambleur. Ok, il manque une porte. Je sais pas qui c'est. D'accord. Donc oui, pour l'instant, il n'a pas eu de contact avec ses amis de, je sais plus leur nom, la Squadra depuis quelques, depuis le dernier live que j'ai vraiment joué genre une fois. C'était il y a 2-3 jours en mode une heure, le temps de revenir un petit peu tranquille, de passer l'entretien et puis c'était tout. Et pour la Squadra. Monsieur Fox ici présent hop et essaye de rentrer à la police pour potentiellement foutre la merde après. Et bonjour. Si ça ne dérange pas, on attend une deuxième personne du coup pour pas de formation. Oui. Ça va plus vite. Ouais, c'est ça, c'est que vu que ça prend une heure, autant que je fasse une seule fois comme ça. Oui, ça oui, bah oui, oui, du coup. Juste me mettre à l'abri du soleil. Oui, avec. Il tape fort ici. Ouais, un petit peu. Voilà. Du coup. Yes. Du coup. Je suis fan de la dieu que je lui ai mis. Peut-être le pantalon qu'on changera. Juste tant que j'y pense, vous avez bien votre permis maintenant? Oui, oui, je, si vous voulez, je peux vous vite, montrer. Si vous pouvez me le montrer, comme ça, ça sera. Hop, étonné. Nickel. Bon, c'était juste le seul prénom à qui j'avais oublié de vous le demander avant de vous parler. Oui, bah oui, oui.
Bah, vu la conversation, j'avais été le passer juste après, comme ça. Ouais, bah... C'était sûr, c'était bon. Pas de soucis. Oui, du coup, John a passé son permis en deux fois. Et a testé une fois le moto qu'il a échoué. Là, je fais un petit total. Oh, je suis en train de changer un truc dans la compta, c'est magique. Je suis en train d'essayer de faire du calcul d'impôt en automatique. Ah, ah la compta. C'est pas très compliqué. Il faut le faire. Quoi. Oui, après, gouvernement, enquête, tout le tralala. Quoi. En fait, ouais, en fait, ça se fait déjà en automatique, c'est juste qu'il y aura potentiellement des changements. Je vois les changements. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est difficile. John va s'intéresser beaucoup à beaucoup de choses. Exprès. Un, deux, trois. N'hésitez pas, follow la chaîne pour plus d'aventures avec John. Peut-être de la criminalité plus tard. On verra ce qu'on va lui reproposer. Hop. Il a besoin d'argent. Boom. Ah oui, c'est possible. Ah ouais, si, c'est ça. Ils sont loin, les parkings. Je sais pas s'ils sont bons en... Merde. Si on garde les véhicules chez eux. J'ai oublié de mettre des dollars pour fixer la formule. Ah ouais, parce que si ça met après en, je sais pas, roue ou quoi, ça va pas être intéressant. Non mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait là ça... C'est des conneries, je lâche. J'attaque. Je vais lâcher des conneries. En fait c'est que, donc quand je descends la formule, ça fait... C'est un d'être ça. Ah oui, ok. J'oublie les parenthèses dans le calcul. On se rappelle que Fox est en beau parleur mais n'aime pas parler. Fox, Jack. C'est un peu le bras droit, vous voyez. Le mec qui parle pas, il tape. Moi je vais plutôt. Ah, c'est chaud. Ouais, l'autre personne était partie à la série, fini. Eh, pas de soucis. Elle me dit, on avait pour 5 minutes. Alors... Aucun problème. Ta, faudrait que je trouve de la musique libre de droit. Ok.
je pourrais. Ça a l'air d'être bon, c'est magnifique. Ah bah parfait alors. Oui. Toujours le temps de mettre en place qui est le plus compliqué après tout ça. Allez, bien d'accord. Ah, c'est celui-là. Hop. Presque. Ok. Prochaine fois, on pourra... Bon, se mettre en... ce qu'il faut. C'est bon. Eh ben, je pensais pas que je mettrais aussi peu de temps. Et bonjour. Et bonjour. Alors, du coup, je suppose que vous êtes monsieur. Attendez, je reprends mes petites notes. Ok, bah c'est tout. Bon, bah écoutez, je vous invite tous les deux à l'intérieur. Je vais chercher du papier et puis on fait contrat de travail, tout ça, tout ça. Eh, pas de soucis. Ok. Papier. Hop. Alors, bougez pas. Pas la série. Et ça. Hop. Et voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de rentrer tous les deux vos véhicules dans le garage qui est derrière moi, comme ça ce sera fait, et puis après on poursuit. Ça vous va ou... Je suis à pied, du coup, ça marche. Vous êtes à pied ? Ok, attends, je vais juste te montrer où il est le garage. Hop. Elle veut bien. Ok. Attends, à l'intérieur. Vas-y. Pardon. Ok, donc on peut rentrer le truc là où il faut. C'est bon. J'aime beaucoup la voiture. Hello. Je vais demander à tous les deux ce que vous pouvez m'envoyer un mail, s'il vous plaît, juste que je vous invite dans le canal de discussion. Donc moi c'est sasaki.sonatsu@discord.gg. Comme ça, moi je fais les papiers en attendant que vous me trouviez. Et après je vous invite là-dessus. Pour info, je vous ai déjà mis les salaires. Comme ça c'est fait. Vous avez dit sasaki.sonatsu@discord.gg.
Ok. Alors... Normalement, c'est dans les S, je me suis pas trompé. Ouais, je vous ai. Alors... Ça doit pas être au top de ma forme parce que. Hop. Là, c'est autrement. Hop. Il faudra pas oublier à changer votre nom éventuellement si c'est pas fait en automatique. Tom, tom, tom. Je regarde ça. Yes. Hop. Une fois dans mon ami. Ok, et puis vous me dites quand c'est bon, après on passe à la suite, on fait le pendu des coups. Hop. Ça doit être tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Ouais, bah, est-ce que vous voulez tout faire le tour du dépôt. Donc, l'idée, c'est en gros, on fait en plusieurs parties tour du dépôt. Après, une fois que le tour du dépôt il est fait, on voit un peu la paperasse, les trucs. Et une fois que ça c'est fait, petit tour en véhicule pour vous expliquer comment on fait rapidement. Et deux petites subtilités à connaître. Et puis. Ok. On voit. Bah, c'est parti. Du coup, le garage qui est là. Là. Oui. Le vestiaire qui est là. Ok. Avec les tenues, le but c'est d'avoir une tenue quand on bosse. Après, On fait fin du coup maintenant ou wow, tout à l'heure, se fera faire une petite sieste pour les appels messagerie. Donc, voilà. Ok. Il y en a 5 que je crois de mémoire, donc il y a le choix. Du coup. Bah, le hall d'entrée. Alors, juste la porte en fait. Pas grand chose à voir. Hein. Voilà, y a juste un canapé. La direction. C'est tout. Juste pour vous montrer. Le petit frigo avec boisson, nourriture, tout ce qu'il faut pour le service. Normalement, il y a même des donuts et du café. Ok. Okay. Pas hésiter à faire un message quand il n'y a plus grand chose. Normalement, on guette assez, mais. Le petit distributeur de billets qui fait bien plaisir, qui est fonctionnel et j'ai oublié de montrer. Attendez, ouais, quoique force. Du coup, le bureau du personnel avec l'ordinateur qui malheureusement a été coupé du réseau. Le stockage entreprise où je vais vous inviter à prendre des feuilles de papier, des kits de nettoyage pour véhicules. Donc les feuilles de papier, c'est pour faire les factures aux personnes qui ne sont pas sous contrat. Les kits de nettoyage, c'est pour nettoyer le taxi. Vous pouvez en prendre en gros 10-10. L'idée, c'est d'en avoir toujours un peu sur soi, mais pas d'en avoir en masse non plus. Ça sert à rien. Ok. Voilà. Les feuilles de papier, éventuellement, si on n'a plus trop, vous pouvez faire un message en repassant une commande. Pas de soucis. Voilà. Et le plus important, du coup, le tiroir à beeper qui est juste là. Okay. Vous pouvez le prendre de suite ou pas, de toute façon si vous faites une sieste juste avant qu'on parte tourner, ça sert pas grand chose de le prendre, mais voilà pour info il est là. Le petit local technique qui peut éventuellement servir de couchette si jamais vous n'avez pas d'appart. Il y a des couvertures et matelas gonflables dans le truc. Ok. La pompe. La pompe. Hop. L'idée de la pompe, c'est qu'on se gare en marche arrière, en fait. C'est-à-dire que si je suis un taxi, en fait, si je suis un taxi, le but c'est que vous venez un peu comme si vous vous garez sur la place là, et après vous reculez, ce qui fait que du coup, vous avez votre cul comme ça, et vous pouvez remplir. Pourquoi en marche arrière? Parce que comme ça, il y a un deuxième taxi qui peut se mettre côte à côte. Okay. Comme ça, on peut faire le plein à deux. Voilà, donc la pompe est assez grande, vous voyez, 20 000 litres, c'est une des plus grandes de l'île. Run passe tout seul quand c'est en dessous de 10 000. Faut pas s'inquiéter, y a rien à faire, ils ont un petit message d'alerte. Ok, ok. En vrai, on n'a jamais été à sec. L'autre truc important, la poubelle, qui est juste en face là. Oui. Justement, voilà, regardez combien il y a dedans. Ok, ça va. L'idée, c'est que les clients sont des gros cradingues. En gros, en moyenne, c'est à peu près 2 sacs par client.
Ok. Bon, donc c'est des gros gradingues. Dès qu'il y a 650, en gros, petit message à Rogers avec bonjour, tant de sacs au dépôt des taxis, merci. Dans les messages Rogers, juste ce qu'il faut au minimum, c'est une petite formule de politesse, si vous voulez, mais juste pour dire bonjour. Le nombre de sacs et la position. Après le reste, ils ont un petit délire des fois, ils font des petits messages, ça pas des clins d'œil. Vous pouvez jouer le jeu, le seul truc c'est que faut au moins qu'il y ait ces trois infos là parce que sinon ils s'en sortent pas. Ok. Voilà. Quand je vous dis c'est à peu près 2 sacs par client, donc après le but c'est que vous n'êtes pas obligé de venir à chaque fois que vous faites le plein. Si vous voyez qu'il y a 100 sacs, que vous êtes 2 à tourner large, si par contre vous voyez qu'il y a 500 et que vous êtes 5 à tourner, ben, le gros prochain plein vous jetez un petit coup d'œil. Enfin vous voyez un peu l'idée quoi. Oui. Pour être tout le temps dessus, mais voilà. La poubelle fait 2005 donc on est large. Et voilà. Et si jamais vous vous demandez pourquoi 650, c'est parce qu'en fait avec 650 ils remplissent un camion. Ok. Comme ça ils viennent avec un camion en entier et puis voilà l'idée. Hop. On va revenir au bout. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre votre téléphone et regarder un peu ce qu'il y a sur l'intranet 21 pour commencer dans la partie entreprise. Et après, on fera le canal de discussion. Normalement, si je me suis pas viandé, dans l'intranet 21, vous devez avoir petit onglet entreprise. Ouais. Et normalement, vous devez avoir agenda, dispatch, employé, véhicule. Oui. Ouais, moi c'est bon. Alors, l'agenda, en vrai, sert pas à grand-chose. De temps en temps, on y met des événements, des trucs, des machins, quand il y a des gens qui demandent des prestos, mais en vrai, on a un canal événement sur le canal de discussion, en général. Là-dedans, c'est plus pratique. Voilà, dispatch, l'idée, c'est de savoir qui est en service, qui fait quoi. Alors, normalement, vous êtes à la fin, tout à la fin du dispatch. Oui, c'est par ordre d'arrivée dans l'entreprise, c'est pas moi qui peux gérer ça. J'en ai fait par ordre alphabétique, c'était pas mal. Mais... voilà, donc l'idée, c'est quand vous êtes en service, vous mettez dans en service. Avec un taxi. Comme ça, en fait, c'est vous permet. Je vous expliquerai, mais quand on prend les appels messagerie, on sait combien on est en service, et ce qui fait qu'on sait si on est obligé de faire un call radio pour demander si on est plus près ou s'il n'y a pas besoin, en fait. Mm-hmm. En gros, je vous donne l'idée. Là, par exemple, ils sont trois en service. S'il y a 2 messages d'entreprise qui sont en cours, bah, le troisième, dès qu'il a un message, il sait qu'il peut y aller direct. C'est ça l'idée. C'est forcément compliqué. LS Tour, c'est pour le tour nouvel arrivant. Sinon, pause, c'est quand vous êtes en pause. EMS, c'est si jamais vous avez un gros accident, un truc, un pépin. Le but, c'est que si c'est juste pour, je vais me faire soigner un petit bobo, une petite crève, voilà. Y a pas besoin de se mettre là-dedans. Réunion, c'est moi, je me suis mis en réunion parce que du coup, je fais la formation. Et événement, c'est quand il y a le Bénis, par exemple, va faire le Bénis Motor Show. Le chauffeur qui va faire les courses pour cet événement, il se met dans l'événement comme ça. Et puis, basta. Chose que j'ai pas dit aussi, dans le stockage entreprise, il y avait des médicaments aussi. Les médicaments, c'est priorité quand les EMS sont fermés. Après, quand vous prenez des clients messagerie, c'est bien d'en avoir sur soi, parce qu'il y a des maladies qui sont contagieuses ou dangereuses de conduire avec. Typiquement, tout ce qui vous floute la vision, c'est dangereux. Donc, pas hésiter à prendre un médoc dans ces cas-là. Sinon, pour tout le reste, je vais dire, il y a Master. Oh, je suis infâme. Pour tout le reste, allez passer au LSES ou au BCES, ce qui est le plus proche, ils vous soigneront. Ok. Comme il faut, quoi. En dessous du dispatch, du coup, oui, alors je précise, la présence du dispatch, elle est obligatoire quand on est en service. Pas oublier de s'enlever aussi. En dessous, vous avez employé, c'est la liste des employés et des grades, tout simplement. Vous avez aussi votre responsable syndical qui est marqué, donc c'est de là-dessus Hubert François. Et il y a aussi le statut de visite médicale. Il y a un annuaire qui est disponible ailleurs, on en reparlera. Et liste des véhicules, c'est la liste des véhicules si jamais vous vous souvenez plus de la plaque pour nous indiquer que vous avez perdu un véhicule dans le canal de discussion. Ok. Voilà. Sinon, je vais vous demander de passer du coup sur l'espace de discussion Discord. Comme ça. Vous me dites quand vous y êtes, je vous demande confirmation que vous avez bien accès à ce que je pense, et puis après je déroule qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, c'est sur le discours. Vous êtes donc normalement, il y a règlement info utile, annonce événement, absence, syndic, véhicule, photo, taxi.
Ouais, c'est bon. Voilà. Règlement, du coup, il y a la dernière version du règlement qui date du 19/05/2022. Donc, c'est ça vaut contrat de travail, c'est-à-dire que la législation fait que on est obligé soit d'avoir un contrat écrit, soit un règlement interne commun à tout le monde. Donc, nous ici, on a un règlement interne à tout le monde. Le but, c'est de le lire, pas forcément là de suite, on n'est pas à la pièce. Regardez un peu ce qu'il y a dedans, c'est principalement des rappels de loi, l'explication de comment fonctionnent les primes ici, le passage en CDI, tout ça. Et puis mettre lui approuvé quand vous l'aurez vu. Après, on a info utile. Alors, vous demandez tout au-dessus d'info utile, il y a deux liens. Je vous demandais le deuxième lien qui s'appelle tableau. C'est en fait notre outil de suivi des courses. On va voir où vous en êtes dans le quota. Je vous demandais de faire une demande en précisant votre nom et prénom dans la demande. Comme ça, moi, je peux suivre les adresses mail et le fait que si jamais un jour vous partez des taxis, ben, je pourrais révoquer l'accès assez simplement. Tout ça. J'en fais rien d'autre. Hein. Et comme ça, moi, je vous donne accès et puis on parle de tout ça. Et puis. C'est fait. Un sur deux. John, c'est bon. Nickel. Hop. Du coup, vu que je suis chiant, on va passer sur le premier lien. Alors, je vous ai pas encore ajouté dessus. Je vais faire. En gros, le premier lien tout au-dessus, le lien formulaire, c'est, je vous conseille de le mettre en favori, vous allez vous en servir souvent, mais vraiment souvent. En fait, c'est le formulaire qui sert à saisir les messages d'entreprise que vous effectuez. Merde. Des patouilles. Il veut pas. Et voilà. Yes, et dans le tableau. Ah, c'est un peu de la paperasse de mon côté, ça. Hop. Tant que j'y suis, est-ce que vous pourriez me rappeler vos numéros de téléphone, comme ça ce sera fait dans le journal numéro de John, du coup, en premier. 1362. Alors. Hop, 1362, pardon. Il n'y a pas de souci. Hop. C'est juste pour l'annuaire, hein, comme ça tout le monde y aura accès. Et du coup, Sullivan, si vous pouvez me rappeler ton téléphone, je crois que ça commence par 6, non, je sais plus. Non, c'est 4730. Yes, nickel. Pass. Yes, du coup, normalement, le formulaire, donc le lien tout au-dessus, vous êtes dessus ou pas? Oui. Alors, dans l'idée, c'est en fait juste saisir au niveau déclaratif les comptes entreprises que vous effectuez. Donc, normalement, en première page, vous avez employé, vous sélectionnez votre nom, simplement. Et après, ça vous demande note de frais course entreprise. Donc, généralement, vous faites course de prêt, course entreprise, excusez-moi. Les notes de frais, c'est si par exemple vous devez faire le plein au centre-ville dans une station, ou s'il y a un taxi à aller chercher à la fourrière, un truc, un machin comme ça. Là-dedans, dans la note de frais, après ça vous demande juste le prix et puis basta. Du coup, je vais vous laisser mettre course entreprise, faire suivant. Après, ça vous demande entreprise, comme c'est original. Alors, hors contrat, du coup, tout au-dessus. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. Hors contrat, c'est ceux qui sont pas sous contrat. Ticket taxi, c'est ceux qui vous payent avec un ticket taxi. Tout le reste, c'est la liste des entreprises, des services publics. Il y a juste presta 15 minutes, c'est y a quelqu'un qui vous fait une presta de 15 minutes, c'est compté, c'est facturé différemment. Je vous rappellerai ça juste après. Employé taxi, c'est employé taxi. Circuit Nouvelle-Arion. C'est le fameux Lestour. Il y a des noms d'entreprises où il y a marqué
tirer client, bah, c'est pour quand ils appellent pour leur client, parce qu'ils payent aussi le contrat pour leur client. Ok. Typiquement, le Bénise, s'il y a quelqu'un qui se fait dépanner, qui sont trois dans une voiture, bah, ça rentre pas dans une dépanneuse. Ils peuvent appeler un taxi, et auquel cas, c'est le Bénise qui paye le taxi. Voilà, groupe 6, c'est pareil, quand ils font des transferts, ils laissent, je vous en parlerai tout à l'heure, ils laissent le client à la banque, et du coup, c'est nous qu'on va le chercher. Cette phrase est très française. Et le ZAC, c'est pas un truc de nourriture ? Si, c'est le bar, mais du coup, quand les clients ils sont bourrés et qu'il faut les ramener, c'est eux qui font. Ah oui, ok. Faire. Voilà, tout simplement. Zombie car, c'est pareil, quand il y a des gens qui vont acheter ou qui vendent un véhicule, bah, le trajet est gratuit pour le client. Voilà, donc genre si vous prenez ticket taxi, enfin on s'en fout de ce que vous prenez dans l'exemple. Peut-être suivant, après ça vous demande un nombre de kilomètres, bah, vous renseignez le nombre de kilomètres. Le nombre de kilomètres, c'est ce qu'indique le GPS au départ, arrondi au supérieur. Ok. À savoir, je vous expliquerai dans le tableau tout à l'heure, il y a des petites subtilités. Et surtout à la fin, pas oublier de faire envoyer, mais pas le faire ici, parce que sinon ça va le compter. Mais voilà, en gros dans l'idée, une fois que vous avez fait envoyer à la fin, ça vous compte la course et vous vous êtes bien payé sur la course effectuée. Parce que du coup, la petite particularité, c'est que vu que les contrats entreprises, ben c'est les messageries, enfin les clients, pardon, messageries qui sont sous contrat entreprise, ben ils ne vous rapportent personnellement pas de CA parce que c'est l'entreprise qui paye le contrat global. Donc du coup, on peut pas se baser sur le CA réalisé pour vous payer les courses. Donc, du coup, on se base sur le déclaratif. Bah voilà pour le formulaire, je vous invite du coup à ouvrir le aperçu employé, donc le truc où je vous ai donné l'accès. Là. Mm-hmm. Faut que j'y aussi. Le tableau. Alors, premier onglet, annuaire. Simplement. Le deuxième onglet, simulateur qui est plus à jour. Parce que... Ah si, je l'ai mis à jour. Voilà, donc les prix de la course, c'est 100 de la prise en charge plus 50 du kilomètre. Typiquement, vous faites une course de 2 km, ça coûte 200. Alors, c'est simple à calculer de tête. Voilà, et après, si vous prenez l'onglet d'après, donc 22 pour 2022, W pour semaine et 20, donc semaine 20, vous avez accès à l'ensemble du tableau récapitulatif des courses. Principalement, ce qui vous intéresse, colonne C, vous avez votre nombre de courses beeper qui est à jour de l'heure qui est marquée au-dessus. C'est-à-dire que là, vous avez mise à jour à 11h23, donc la colonne beeper est à jour de 11h23. Voilà. La colonne messagerie, c'est le nombre de courses entreprises que vous avez effectuées. Celle-là, elle est toujours à jour parce qu'en fait, elle est liée au formulaire. C'est-à-dire que dès que vous saisissez un truc dessus, ça tombe dessus. Juste subtilité, une course messagerie entreprise selon le nombre de kilomètres, elle compte pas 1. C'est-à-dire que si vous faites au-dessus de 3 km, c'est 2 courses que ça vous compte. Si c'est au-dessus de 6, c'est 3. Si c'est au-dessus de 9, c'est 4 courses que ça vous compte dans votre quota. Ok. Voilà. Donc faut pas s'étonner des fois que vous saisissiez, j'ai fait une course, ça me compte 4. Après, pour info, vous avez donc du coup la prime. Alors la prime s'affiche uniquement si vous avez fait le quota. Voilà. Salaire, bah c'est le salaire que vous avez touché, le total des deux. Et après, c'est pour info le chiffre d'affaires que vous avez fait, aussi bien en facture que pas en facture. Et surtout, le plus important pour vous, ça va être le fameux ratio qui doit être supérieur à 8. Alors, vous inquiétez pas, on est dimanche. La formation, ça prend déjà une heure. Donc forcément, vous allez avoir un truc dégueulasse. Bah, dégueulasse, je me comprends, c'est le début, faut pas s'inquiéter. Moi, je forcerai la prime, si vous tournez un peu cette semaine, je vous forcerai que vous ayez la prime qui est ratio ou pas, ratio supérieur à 8. Okay. D'ailleurs, à ce propos, ce que je vous propose, parce que j'ai oublié de vous le dire, la période d'essai, j'ai 7 jours. Et je vous propose, vu qu'on est... Le fameux ratio, là, c'est le nombre de courses à l'heure. Pour que le calcul marche bien, faut que le salaire soit identique d'une semaine, enfin sur une semaine entière. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est de faire du coup une semaine d'essai à. Pas compter cette semaine, mais faire la semaine d'essai complet la semaine prochaine. Ça fait du coup une semaine et combien d'heures? Et 9 heures. Ok. Voilà. Ce qui fait que moi, si vous tournez un peu aujourd'hui, je vous force la prime cette semaine, parce que comme ça, ce sera compté, et du coup, la semaine prochaine, ce sera comme fou, comme si vous étiez en essai. Normal, comme ça, en gros, vous pouvez vous faire la main, en gros, aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, vous dire, ben, il y aura besoin du quota et du fameux 8 de ratio.
Il y a aussi les bonus. Donc ça, c'est décrit dans le règlement. En gros, l'idée, c'est que si vous obtenez un certain nombre de courses, donc ça doit être 300 courses, vous avez un bonus 2% sur la prime. 450 courses, vous avez un bonus 5% sur la prime. Et le ratio, donc le fameux nombre de courses à l'heure, c'est pareil, il y a des bonus. Si vous êtes au-dessus de 12, il y a 5% de prime. Et si vous êtes au-dessus de 16, il y a 8% de prime. Alors, il y a des petites subtilités dans le fonctionnement, je vous laisse savoir dans le règlement, mais dans l'idée, ce qu'il faut retenir, plus vous bossez, plus vous êtes payé. Voilà, le tableau là est mis à jour, on essaye de le mettre assez régulièrement à jour. Pas de logiciel pour faire en automatique. Un peu compliqué des fois. Voilà, et pour info, les personnes qui sont dans la zone grise en dessous, si jamais vous demandez, c'est les personnes qui ont démissionné en cours de semaine. Voilà. Ok. Voilà, à peu près tout sur le tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la radio, les gens. Si, hein, deux trucs. L'entreprise, du coup, vous êtes autorisé à la laisser fermer quand vous êtes tout seul en service. Cependant, le but, c'est de pas la laisser fermer. C'est-à-dire que c'est toléré en mode. Je donnais un cas de figure, vous êtes tout seul le matin à tourner, vous êtes là que trois quarts d'heure, vous pouvez laisser fermer. N'hésitez pas à ouvrir. Par contre, si vous êtes là toute la matinée et que vous êtes tout seul toute la matinée, bah ouvrez. Le seul truc, c'est quand vous êtes seul en service, que vous avez l'entreprise d'ouverte, si jamais vous avez trois appels, que vous avez du mal à gérer la charge, vous fermez le temps de faire les appels et après vous rouvrez. Enfin, vous pouvez jouer sur le statut comme ça. Si vous êtes tout seul ou très peu en service, pas hésiter à appeler les personnes qui ont fait des messages que vous ne pouvez pas prendre juste pour l'indiquer qu'il y aura du retard. Vous êtes en mode, vous avez bien vu le message, mais vous pouvez pas prendre parce que vous êtes déjà sur une course. Comme ça, les gens iront le moins. Ça, c'est très bien. Et c'est à peu près tout sur la paperasse, du coup. La paperasse là-dessus. Oui, c'est tout. Yes, on va reprendre, du coup, le canal de discussion Discord. Toc, tableau, c'est fait. Du coup, il y a la fréquence radio juste en dessous, dans l'info utile. 476. Ok. Voilà, la liste des entreprises qui sont sous contrat. La radio, oui. Se mettre sur la radio quand on prend son taxi. Donc il y a des radios dans les taxis. Ah, annoncer sa prise de service, sa fin de service. Couper la radio quand on prend des clients messagerie, parce qu'en fait tout le monde entend la radio dans l'habitacle du véhicule. Donc c'est un peu délicat. Voilà, toutes les entreprises sont sous contrat. Ça, c'est cool. Bon, y a une boîte à idées, il y a quoi d'autre? Oui, alors certaines entreprises mettent des codes entreprise. Enfin, c'est pas obligatoire, c'est ça que je veux dire. Y a une petite carte des radars aussi, au cas où, pour info, qui est pas à jour, il manque un radar. Bon, ça en donne déjà pas mal, c'est juste. Au cas où. Annonces, les annonces. Événements. On nous demande des prestats événements quand il y a des événements en ville, enfin les événements. Absence, pour signaler d'une absence, comme ça on sait d'être absent, ce qui fait qu'on peut être plus tolérant sur les non-réalisations de quotas et compagnie, j'ai envie de dire, quand on sait pas, on peut pas deviner, donc entre guillemets on peut être entre guillemets méchant. Enfin, c'est ce que je veux dire, en mode quelqu'un qui fait pas son quota à l'essai, c'est compliqué. Par contre, s'il met une absence avec une raison, on peut en tenir compte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, en l'essai, c'est un peu compliqué. Par contre. Enfin, l'idée, c'est de dire les absences qu'on s'inquiète pas trop. Quoi. Qu'on s'inquiète pas des abandons de poste et compagnie. Syndic, c'est le canal pour notre responsable syndical. Véhicules, c'est la liste des véhicules. L'idée de ce canal, c'est tout véhicule rangé dans le garage doit, en théorie, être réparé, lavé avec la chiffonnette. Et avoir le plein. Et si c'est pas le cas, petit message là-dedans. Alors, ça peut être pas le cas parce que le Bénis est fermé, le zombie est fermé. Alors oui, j'ai pas dit. On est sous contrat avec le Bénis en priorité. Et éventuellement, si le Bénis est fermé, on peut faire réparer au zombie. Dans tous les cas, ça ne vous coûte rien. Ok. Précise. Voilà. Et dans l'idée, c'est si un jour il y a tout fermé ou vous avez pas le temps. Ils se régront, il y a un véhicule pas réparé, vous mettez ça là-dedans. Si jamais vous faites des malaises au volant, que vous faites voler votre taxi, que la fourrière récupère le taxi, petit message là-dedans avec le numéro du taxi, la plaque d'immatriculation.
histoire que nous on puisse faire une demande, pas hésiter à mettre le plus de détails histoire qu'on puisse donner les plus d'éléments possibles à l'assurance. L'assurance, on va dire, plus il y a de détails, moins elle nous embête, entre guillemets. Et surtout dire la vérité, important. Photo, bah, si on se partage des photos, on fait des petits comptes. Taxi, bah, c'est tout le reste. C'est le canal de discussion général avec quand il y a un message entreprise à faire, quand il y a une question. On verra bien un peu comment ça se passe. Tamago, il est là-dedans, mais voilà, grosso modo, à peu près tout. Ce que je vous propose éventuellement, c'est d'aller faire un petit somme dans la pièce d'à côté, histoire que je vous parle des messageries entreprise. Okay. Et puis voilà, juste une petite question, est-ce que vous avez tous les deux un jerrycan ou quoi? Non. Oui, mais il faut que je le remplisse. Ok, bon, tu pourras faire ça tranquille. Moi, je vais te chercher 500 balles pour gérer le canne à toi. Ok, bah, je vous invite à faire un petit test à côté juste pour avoir le truc messagerie d'entreprise sur le téléphone et puis moi, je vous en parle. Ok. On est reparti. Let's go. J'espère que je vous marrez bien tranquille. Baby. Yes, du coup, normalement, sur la page d'accueil de votre téléphone, il devrait y avoir un message entreprise à côté d'entreprise. Oui. Alors, je vais faire un message test comme ça. Message acquisition. Ne pas prendre. Yes. Voilà. Donc là, vous avez un message qui venait d'arriver. Ce qui est le message est composé. Donc le numéro de la personne tiré sa position. Voilà. Donc la position, ça sert quand vous êtes dans le véhicule, en fait vous pouvez entrer l'itinéraire GPS. Donc l'idée, c'est quand il y a un message comme ça qui arrive, vous regardez, donc là ici 72-95, vous mettez ça sur le GPS, vous regardez à combien de kilomètres vous êtes et vous annoncez sur la radio. Okay. Là en gros, le principe, c'est que celui qui est le plus près, il prend. Alors, celui qui est le plus près, sauf si c'est une course dans le nord où il faut prendre l'autoroute, celui qui est le plus proche de l'autoroute, celui qui a le plus le plein, enfin vous voyez, l'idée, c'est celui qui a la capacité d'être le plus rapidement sur place. Ok. Voilà. C'est dans ce cas de figure, vous pouvez faire des notes de frais, c'est-à-dire typiquement, genre vous êtes pas loin du point Y, vous n'aurez pas le plein pour monter à Paléto, vous êtes le plein au point Y, pour monter à Paléto. Oui. Ouais, merci, c'est gentil. Allez, à toutes. Merci, c'est plus. Voilà. Sur l'appel, admettons que c'est vous, enfin un de vous deux qui prend l'appel, ce que vous faites, c'est que si vous validez dessus, il y a marqué prendre l'appel. Vous laisserez un des deux le faire. Si vous faites ça, en fait, ça vous met un point GPS directement. C'est la localisation de la personne et pas le zip que vous avez rentré, c'est-à-dire c'est plus précis.
Vas-y, il y en a des deux qui peut le faire. Et du coup, ça met un petit téléphone orange sur l'appel. Ça notifie aussi le client, voilà. Là, vous voyez, il y a un petit téléphone orange, donc ça, c'est que l'appel est en cours, du coup. Et moi, ça m'a envoyé un message pour me dire que l'appel était pris, vu que c'est moi qui ai fait le message. Et comme ça, le client, voilà, vous pouvez aussi faire répondre. Donc là, ça envoie un SMS avec le message de la personne, puis votre réponse. On n'utilise jamais parce qu'en fait, qu'on dire et envoyer taper des SMS en même temps, c'est un peu compliqué. Et sinon, le plus simple, c'est juste en dessous, appeler. Vous appelez le client directement avec son numéro. Voilà. Et une fois que vous avez fini l'appel, que vous avez déposé le client, vous passez l'appel en appel terminé. Vous pouvez le faire sur l'appel, là, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Hop, nickel. Voilà pour les messages entreprises. Petite info, vous pouvez avoir des messages d'entreprise où le numéro c'est 555-XXXX et après une position avec un message du style un client a demandé un taxi ici avec roll code zip. C'est les messages téléphoniques des cabines téléphoniques. C'est-à-dire qu'on peut appeler des taxis, des ambulances et des forces de l'ordre avec partir des cabines téléphoniques. Voilà. Donc ça se peut que ça arrive. Le truc c'est que quand vous prenez l'appel, la personne n'est pas notifiée et vous ne pouvez pas la rappeler. D'accord. Voilà. Petite spécificité aussi, si vous avez un appel où le zip c'est 4000, c'est la prison fédérale, à savoir qu'en fait, c'est la borne de la prison fédérale vous donne le numéro de téléphone de la personne, mais vous pouvez pas la rappeler parce que généralement elle n'a pas de téléphone. Ok. Voilà. Par contre, la prison fédérale, c'est un appel ultra prioritaire, en vrai, dans le sens où le problème c'est que si on ne se pointe pas vite la prison, en fait, les gens ils vont sur l'autoroute, ils piquent des bagnoles. Donc en fait, c'est soit on y va de suite, soit on y va pas parce que la personne va être partie. C'est dans le sens là que c'est ultra prioritaire. Okay. Et ben au niveau de la paperasse, moi c'est à peu près tout. Il y aura juste, je crois qu'il y a un de vous deux, il y aura une visite médicale à faire aux EMS. Oui, c'est moi. Voilà, alors c'est pas pressant dans les 2-3 jours, hein, tranquille. Okay. Voilà, et pour information, le diplôme est obligatoire qu'à partir du rang CDI. Voilà. Okay. Et des aides dans l'info utile, quand vous passerez, ça peut vous éviter de leur passer. Voilà. Je vous propose une formation pratique et puis après ce sera tout bon. Si c'est bon, j'allais dire un truc. Moi je vais monter à l'arrière. Taxi. Ah oui, j'ai pas dit les taxis nominatifs, c'est pour la direction. Les taxis numérotés, c'est pour tout le monde. Tous les taxis sont full custo, blindage 4. Voilà. D'accord. Y a pas de jaloux. Okay. Alors, il y en a peut-être un où il y a suspension 2 et pas l'autre, mais ça la marche quoi. Allez-y. Non. Alors, faut prendre le beeper ouais. Avant. Ouais, prenez un beeper. Chaque fois. Ça va? Ouais, t'inquiète. C'était plus haut que ce qu'on fait. Petit tiroir là. Hop. On des taxis là en France. On se sent là? Ouais, vous pouvez vous changer aussi, j'ai oublié de venir. Venu. Allez, parfait. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous mettre un point. Juste, tant que j'y pense, point info, le client beeper monte du côté le plus proche quand vous lui faites signe. Alors, vu que je suis à l'arrière, okay. Pour éviter de me faire sortir du taxi. Oui. Ouais, je suis en formation, j'ai bientôt fini. Bon, si tu veux, je te filerai les droits sur le truc, mais faudra pas trop que je tarne, j'ai un peu de trucs à faire après.
ça marche. Mais je tiens au con, puis je te dirai ce que j'ai fait sur la compta, j'ai fait le truc des impôts. Voilà. je te démontre ça après. Ça marche. À tout. Puis de ce que je disais, le client beeper, quand vous lui faites signe, en fait, il monte du côté le plus proche au moment où vous lui avez fait signe. Et en gros, c'est-à-dire que si vous faites demi-tour entre temps, il va montrer, voilà. Juste faites gaffe à ce que là, vu que je suis à l'arrière, que le côté droit soit plus proche, avant de lui faire signe. Pour commencer, est-ce que vous savez déjà vous servir de la radio ou pas du tout? Moi, oui. À peu près. Alors, peut-être expliquer, Don, c'est pas si tu... À peu près, je vois, ouais. je vois à peu près. Tu vois, bah alors, du coup, bah, essaye de mettre la radio sur 476, du coup. Et, 476. 16. Ok. Bah nickel. Non. Ok. Du coup, je vous mets un petit point. Normalement, il y a du monde plein sur le boulevard. Si jamais vous voyez l'un ou l'autre, si jamais vous voyez un client beeper, vous le dites et puis on le prend comme ça, on montre comment ça se passe un client beeper et puis. Ok, bon, à mon avis, t'auras quasiment toutes les réponses dans le code de chasse et pêche. Ouais, et au pire, c'est du basique, genre. Oui, alors, tant que j'y pense, dans les radars que vous prenez avec les taxis, c'est pour votre pomme. Donc faites gaffe et pour dit dans le. Par contre, du coup, ouais, tu peux couper la radio le temps que je profite. Ça prend, si ça parle comme ouais, ça. Ouais, ça ouais, ok. Alpha, parce que je la coupe. C'est combien, j'ai pas entendu? C'est le gros bouton F1 sur la gauche de la radio. 3, ah, et il était à 1,5 km. T'as dû la couper. Ah, c'est bon, ouais, ça a l'air. Tiens, pendant la. Ah non. Là, c'est pas grave. Du coup, oui, sur la radio, j'ai pas dit annoncer sa prise de service, sa fin de service, quand on descend du véhicule, vu qu'on a plus accès à la radio, genre pour refaire le plein, tout ça. Si éventuellement vous êtes deux en service et que l'autre personne est en course, vous pouvez faire un message entreprise pour indiquer votre fin de service. Parce que bah, la personne, si elle a coupé la radio, elle vous entendra pas. Du coup. Okay. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer de chercher du client. Normalement, ouais, ah, t'as un bip. Bah, vas-y. Donc là, voilà, tu te rapproches. Normalement, tu lui fais signe. Et va monter dans le taxi. Mathieu? Oui. Ah bah non, tu fais signe. T'as pas le... Oui, non, j'essaye. Ah, t'essayes. Ah ouais, t'es con. Ah, il veut pas. Alors, c'est peut-être parce que vous l'avez tous les deux, non? Non, c'est... je l'ai pas. T'as pas, toi? Non, ok. Ah bah, oui. Et bah, il est goût. Nickel. Ah ouais, des fois t'en as, ils sont un peu chiants. Ah, ça va. Ouais, non, tu marches près. J'ai une petite tolérance. Alors, tu peux rester là, t'as coupé le moteur. Ouais, vas-y. Le moteur. Donc, l'idée en fait, le but c'est quand vous promenez dans les rues, c'est de voir où il y a des clients et de couper le moteur pour pas bouffer de l'essence. Là par exemple, tu vois sur ma gauche, j'ai une personne sur le poteau en face, il y en a une qui arrive là, il y en a une au fond. Bon, ça fait déjà 3 personnes, c'est pas mal. Donc, logiquement, ah, il y en a une là-bas qui a. À biper, et eh ben vas-y, tu peux redémarrer, tu vas le chercher. Voilà. Donc, l'idée c'est quand vous prenez des clients beeper, en fait, c'est de regarder quand vous le déposez où est-ce qu'il y a du monde sur le trajet. Salut. Non, moi ça veut pas. Attends, ah, ok, bon. Ok, non, mais c'est compris. Donc là, normalement, la madame, elle te donne un point, elle te dit où elle veut descendre. Ouais. Bah, tu l'amènes. Et c'est ce que je dis, sur le trajet, t'essayes de regarder où il y a des gens sur les trottoirs, histoire après de pouvoir faire demi-tour et en gros, t'arrêter là où il y a du monde. Ouais. Alors, après, c'est toujours plus ou moins les mêmes endroits. Hein. Ouais. Ok. Ça va être compliqué, de temps. Et pour que vous soyez prévenus, il y a un staff qui est collé à moi, en fait. Qui d'accord. Me suit tout le temps et il arrive qu'il est vent bidoué et que du coup ça me donne un peu pour conduire. Tu me tues. Faudrait que je pense à mettre le limitateur aussi quand. Oui. Je te mets un point GPS pour juste un truc après. Ouais. On devrait être pas trop loin. Voilà, et normalement quand tu fais signe, ça te marque paiement de la course effectuée. Ouais.
Ouais. Alors il se peut que vous ayez des clients agités de temps en temps dans le taxi. Tu peux aller sur l'autre point que je t'ai mis, je vais vous expliquer un truc du coup. Il se peut que vous ayez des clients agités en fait. C'est des fois la centrale elle s'en mêle les pinceaux, c'est-à-dire qu'elle donne le même client à deux taxis différents et le client il aime pas ça. Et ouais, du coup, si le client descend en cours de route de lui-même, bah ça paye pas la course. Donc t'as pas le petit message sur le TPE en fait. Voilà. Alors après il y a les petites astuces où si tu roules assez vite et que tu fais vite signe, non, enfin ça va, si de l'autre côté tu pouvais. Ah non, t'as raison, c'est pas là, excuse-moi. Le GPS après. Ouais, non, t'as raison. Si vous allez assez vite en fait, qu'elle descende pas d'elle-même et que vous arrivez à la fin, elle paye quand même sa course. Donc après vous verrez, c'est une petite habitude à prendre. Okay. Pareil, quand vous faites signe au client, faire attention d'avoir. Là, c'est bien sur la droite au niveau des plots. Quand vous prenez un. Oui, quand vous faites le plan au jerrycan, dehors, faites gaffe à bien verrouiller le taxi. Ouais, et là, tu vas te mettre en face de l'escalier qui est derrière nous, enfin qui est sur le côté. Vas-y, va à gauche. À gauche, avance. Alors, à gauche, ça c'est. Ouais. Ouais, tout droit sur la, place de, la petite place de parking. Ah, okay. Vas-y, vas-y, la petite, là, la place de parking en face, ouais. Non, celle près de l'escalier. Ah oui, ok. Coller... Ah oui, ok, je vois. Ouais, bon, en fait, le but c'est de te coller à l'escalier. Ouais, c'est ça, ça te fait ça. En gros, l'idée c'est que de temps en temps, vous avez des clients beeper qui vous demandent d'aller sur le parking de G6. Et vous pouvez le déposer là. D'accord. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de rentrer chez G6 et vous êtes tranquille. Ok. Ça, c'est John, tu veux essayer, du coup, pour comment ça se passe? Comment on veut. Ouais, bah échangez vos places, on va retrouver un client et puis attends, bouge pas deux secondes. Ça, c'est pour t'acheter un jerrycan à l'armurerie. Ah, merci. Une case. Puis, Ah, ouais, non, on va y arriver. Ah. Ah, t'as chopé la chaise. Non, non. Juste un genre de grippe bizarre. D'accord. Parce que c'est pas contagieux. Bah je pense que tu peux remonter sur le boulevard à part si t'as un beeper qui bip avant. Un petit astuce, il y a pas mal de monde autour du LSAS, mais au LSAS il y a pas mal de monde qui bip à l'intérieur et qui sont juste pas prenables. En gros le LSAS vous vous excitez pas trop dessus. Oui, j'ai Franck qui demande une mise à jour tableau si éventuellement tu pouvais faire ou juste le rappeler avec son nombre de cours. Je crois qu'il vise les 300 et qu'après il prendra une fin de service. Ça marche, je te remercie, je vais bientôt finir. Oui, donc ce que je voulais dire, dans tous les cas, la pelouse du LSAS est sacrée, comme vous avez pu le voir dans le dernier article du Wazel avec les tractopelles et tout ça. Donc faites gaffe comment vous roulez, si vous voyez que le client à l'intérieur du bâtiment, c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher. Bah là, ouais, tu peux te garer sur le côté, je pense qu'il y a 2-3 personnes dans la rue, on va juste attendre tranquillement, et puis normalement ça devrait biper. Éventuellement il peut y avoir des clients qui bipent à la banque centrale, donc c'est la banque derrière nous. Juste d'éviter de les prendre. Ok. Voilà, enfin, vous pouvez, mais le but c'est de pas attendre devant la banque pour les prendre en chaîne parce que j'ai 6 vagules. C'était une grippe que t'avais ou. Oui. Du coup, je crois que. Tu l'as encore ou quoi? Oui. Bah, ça, en fait tu me refiles. Ah. Est-ce que ça marche si je fais ça? Et aussi été contaminé. Ah. Oh. Merci. T'as un antibio sur toi ou pas? Non. Non, merde, bon, bah tant pis. Tant pis. Est-ce qu'il y a une pharma dans le coin? Non, bah écoute, tant pis, on sera tous malades. Nickel. Ah, j'en ai un. Ah bah vas-y, je vais essayer à sa rencontre, faire signe tout ça. Ah là, en face, là. Normalement, tu fais signe en klaxonnant, je sais pas où c'est, ouais, nickel.
puis bah, après tu déposes là où il y a. Alors à savoir qu'il y a beaucoup plus de clients dans les rues le matin que le soir. C'est le petit client là qui gueule ou... Ouais, il en a eu marre d'attendre. Ah. Ouais, il a l'air. Maintenant il est dans un tacté piété, il va avoir la grippe. Ah oui, okay. Ouais, alors ouais, il gueule, c'est parce que à mon avis les deux, voilà, vous étiez les deux à l'avoir celui-là, donc le but c'est, ouais, ouais, tu ralentis pas trop, reste comme ça, sinon tu vas voir, il va sauter et... Ouais, ouais, tu fais vite signe. Et... T'as payé ou quoi? Non, je pense pas. Ah, regarde. Pardon. Je te mets un point, du coup, maintenant vous avez chacun vu un beeper. Grosso modo, c'est ça. Pas hésiter à demander aux gens où il y a du monde. Je vous dis principalement boulevard Life Invader.y, Mirror Park. Il y a de quoi faire déjà avec tout ça. Après, juste regarder si le client a payé la course. Et je vous parle du petite spécificité client G6, ce qu'il faut faire, grosso modo. Et puis ce sera tout bon. Non, le client, a priori, il a pas payé. Ok. Voilà. Là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vois la ligne de place bleue, là, sur le côté, oui. Tu vas te garer et tu vas te mettre au fond. Ouais, c'est-à-dire bah, au plus près de là. Hop, et là, tu recules à fond. Voilà. Alors, en gros, quand G6, il fait un appel, besoin d'un client à la banque, là, ce qu'il faut faire, c'est faire un retour dépôt, prendre la shafter nommée shafter-G6. Ok. Vous venez ici, vous attendez. L'idée c'est que en fait G6 fait un transfert, ce qui fait que vous aurez une voiture ouvreuse qui sera au niveau de la porte à droite là, celle que vous voyez, qui sera devant la porte avec des gens avec des FAP, et vous aurez normalement le fourgon blindé qui sera au niveau du carrefour en marche arrière pour arriver devant les portes de la banque qui sont dans l'angle vers lui. Une fois que G6 a fini son transfert, ils remettent le fourgon devant au niveau du carrefour, au niveau du feu, sur la même ligne que vous, et la voiture là où les deux voitures ouvreuses se remettent derrière le fourgon. Une fois que vos ouvreuses sont garées derrière le fourgon, vous pouvez vous ramasser derrière. Et après, en gros, vous prenez en charge le client qui sort de là. Ok. Le client monte, il vous demande où le déposer, vous le déposez, et puis après, vous revenez au dépôt, vous faites le plein de la shafter, vous nettoyez le shafter, vous rangez la. Quand vous rangez votre taxi pour prendre la shafter, vous n'êtes pas obligé de le nettoyer tout ça. Le but, c'est de reprendre le même taxi après. C'est juste ça. Voilà, voilà. Okay. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi. Juste ben la radio, enfin le dispatch, pas oublier de se mettre dessus quand vous prenez votre service, pas oublier de s'enlever quand vous voilà. La radio, pas oublier de s'y mettre, pas oublier de s'annoncer. Et puis ben le reste, si vous avez des questions, il y a les collègues qui sont en radio. Pas de soucis. Voilà, voilà. Moi je vais y aller. Un petit peu de paperasse à faire et puis. Et puis, moi, je serai de retour ce soir si jamais. Ok. Ok. Hop. Du coup, je te pose. Ou à limite, ouais, comme ça, l'autre. C'est logique, ouais. John, je crois que comme ça, tu peux prendre un taxi et tourner si vous voulez tourner. Moi, comme j'ai dit, je verrai avec Monsieur Hook. Oui, pense à vous soigner. Du coup, je vais forcer les primes parce que ce que vous tournez, je pense que voilà, histoire 2. Et puis, comme j'ai dit, un autre semaine. Ok. Enfin, laissez okay. Toute la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bah, sur ce, bienvenue. Je ferai un petit message tout à l'heure. Et puis, bah, voilà. Et pas de soucis. Ok, pas de soucis. Je te laisse celui-là. Oh. Ouais, t'as pas. Ouais, tiens, vite fait, je te montre vite fait ce que j'ai fait. Je regarde à peu près. Ça
je te laisse le taxi vu que t'as les clés. Oui. Ou, je sais pas si c'est toi ou si c'est le patron qui a les clés. Je crois que c'est le patron qui a les clés. Ah, au pire je le range et on prend un autre. Ouais. Ok. Ouais, parce que moi je crois que je vais aller faire d'autres trucs avant. Ok, pas de soucis. Je l'ai décalé juste le temps de ranger le mien. Oui, bah je vais le ranger. Et bonjour. Je vais le ranger et le ressortir parce que j'ai un problème avec la radio. Ah. Ouais, bah j'arrive pas à l'allumer ni à la couper. Du coup, je crois que je vais aller voir Docteur Lobby puis je vais revenir. Ouais. Et c'est toi qui avais sorti l'autre taxi ou pas? Non. Okay. On était parti en formation. Ok, nickel. Voilà. Ok. Bon bah écoute, bon courage. Et merci beaucoup. PTDR, je sais pas qui c'est. Ils sont bien ces chaussures. La petite toque lobby encore. Du canard en 476. Hop. Boum. On se remet dessus. Boum. On va se mettre en service et on va commencer à se dire un truc quand je... avec mon nom de perso. Je reviens. Petite pause de 30 secondes. Hop, tatatam, oui, pouf, ok, nickel. La même, c'est cool. John, prise de service. Ouais, faut qu'il passe leur diplôme. Oui, c'est pas le cas.
John, prise de service, bonjour à tous. Non, on a radio. Je vais appeler. C'est bon, j'ai le diplôme de pêche. Je suis là. Félicitations. Merci. John, prise de service, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. C'est que c'est à peu près les mêmes trucs que pour quand on était dealer. C'est à peu près il y a donc on pourrait se mettre l'ampe ici. On va en avoir un dans pas longtemps. Bonne journée. Voilà notre boulot actuel.
back of a medical marijuana clinic. You have to ask for a special pot muffin, and then they take you into this. Bon bah Connor, retour en bio. J'ai eu un petit assassin de la police sur une moto. Merde. Police qui fait un déplacement sur une petite route. Deux motos qui arrivent en frontal. Bah. Ah ouais, ça fait bête. Pardonne pas. Ça se voit que c'est pas des pilotes d'élite, hein. Dire que la dernière fois ils m'ont arrêté. Ouais, vous avez une conduite dangereuse. Des fois, ouais. J'aime bien avoir raison. Ouais, alors que je roulais pas spécialement vite, rien, mais. Et quand tu vois, des fois ils nous embêtent parce que. Ah là, vous êtes un tout petit peu sur le trottoir rouge. Ouais, c'est vraiment chercher la petite bête quoi. Sûr que c'est marqué dans le code de circulation que c'est interdit d'y mettre. Je crois que la politique c'est justement de pas écrire les choses. La logique. Ouais mais du coup ils peuvent pas te... pas te sanctionner quoi. Enfin, j'en avais discuté avec le vice-gouverneur quand j'avais pris un taxi. Il m'a juste dit c'est de la logique en fait. Ouais, ok pour lui, mais tout le monde n'a pas forcément la même logique donc. Tu contestes ça, en fait, tu peux rien faire. C'est plutôt nous qui pouvons rien faire. Ah, parce que c'est pas. Ils sont pas honnêtes, mais s'ils étaient un minimum honnêtes. Ben... D'accord, il y a des choses des fois, c'est un sujet d'interprétation. Quelqu'un dans le SAS, si je rentre avec le taxi dedans, tu crois qu'il m'en veut? Ça dépend, tu payes la réparation de la vitrine après? Oh non, pas que j'ai. Ah, j'ai payé 500 dollars ce mois-ci. Taxe d'habitation? Non, 1000, ouais, 1000 je crois. Tu payes un peu plus. 1000 parce que j'avais que 15 jours à payer. T'es sur une chambre d'hôtel? Yep. 2000 l'hôtel, putain. J'ai payé 27 000. Hein. Juste en taxe d'habitation? Ouais. Ça fait mal. Hein. J'ai une villa à 650, c'est 27 000 la taxe d'habitation. Monsieur a une villa, excusez-moi. J'avais pas pris tant bien. Ouais, excuse-moi. Bon, on l'a acheté à deux. Ouais, du coup, ton coloc t'a payé la moitié? Non. C'est ma copine. Elle a payé le mois dernier, j'ai payé le mois là, ça dépend quoi. Pourquoi tu dis que c'est ta coloc alors que c'est ta copine? J'ai pas jamais parlé de coloc. J'ai parlé de coloc, hein, pas toi, hein, pas moi. Travaille où elle?
voilà, dernier client, il prend votre dépôt. Après. Puis il y a personne. Pas le client du bureau de ton dépôt. Le fameux qui te demande de redescendre au LSES. Ouais, non. De la SAS mais personne. Au niveau de Little Seoul Weasel News. C'est trop là, j'ai plus la SAS. Ouais, je suis toujours là. Ça va, tu sais un peu où tourner ou t'as besoin d'aide? Je tourne un petit peu, je cherche là où il est un peu le client. En 61 83 il y en a un petit peu. Ok. La nuit me scalaire à chaque fois, on trouve jamais. Ça dépend des nuits, hein. Ouais, ça dépend, mais souvent, dans les endroits, c'est vite. Des fois, t'as un peu LSAS, Weasel News, Little Seoul. Tu peux aller au niveau du Custo, LSS, Pinewood, la Superette tout en haut. Les procureurs, des fois aussi. Jamais heureusement ça va. Je m'arrête à la switch là. Le client prend notre dépôt maintenant. Ok, bien pris. Ce soir ou pas? Non, je pense pas. Ok, bah bon dimanche à toi. À toi aussi. Et bon dimanche. Et bon dimanche. Bon dimanche. Démarque prise de service. Et bonjour. Au moins quelques heures. Bon, Rogers, je pense qu'ils vont commencer à gueuler. Il va falloir que je les rappelle qu'on les rappelle dans 10 minutes. Ah, c'est vrai que j'en tombe pas mal. Hein. Ça dit? C'est vrai qu'on tourne pas mal, donc ils viennent souvent. Hein. Ouais, là je viens de regarder, on est à 580, je crois, par là. Pour la poubelle? Oui, ils parlent de la poubelle, ouais, c'est ça. Oui, oui, la poubelle au dépôt, ouais. Maintenant, on retourne au dépôt pour refuel. Et ça marche. Je vais faire la même. Allez, le dernier client, ça grille. Je vais pas t'aider si tu sommes en rade. Ah, je vais pas faire comme hier où je me suis arrêté à 60 mètres du dépôt quoi. C'est vrai que ça serait bête.
diras, ça va m'arriver tout à l'heure, j'étais à peu près, tu passes? Je suis à 5. Justement, je suis au Fort Plaza là aussi. Oh, ça va, normalement, un 2 ça se fait. Mais sans limiteur par contre. Si je le fais là avec limiteur, ça passe. Oh, il y avait un client, mais bon, désolé. Hein. On va rappeler. Dans la montée au niveau de Mirror Sport. Je pense qu'il me reste 1 ou 2 litres. Bon, ça va, t'es large. Ah bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce que j'avais là? Oh mais en plus j'étais là, j'avais le jerrycan. Connard retardio. John, retour radio. En course poursuite au niveau de la supérette, et les procureurs en 72-09.
Charpaille-nous dans la direction des taxis. Direction Eclipse. Glenn, tu connais bien la ville. Tu disais ? Je connais bien la ville. Oh, je commence à m'en sortir un petit peu. Je sens mettre du dernier appel. T'es à combien toi ? 1,5 km. Pas valider l'appel, mais simplement de vérifier avec le code zip. Ok, désolé. Nord, je coupe la radio le temps de la course. Il est bien pris. Ça, c'est le vieux réflexe poliste, prendre l'appel. Marco, retour radio. Et bon retour. Et merci. Putain, je t'avais pas vu. Pas très RP, si on a le droit. Et bonjour. Mais ouais, j'ai pas tardé, Antoine. Que je vais pas tarder. T'es toujours là ou pas? Ça s'attend dans 10-15 minutes. Enfin, même pas dans. Compte 5 minutes. En retour radio. Et ça marche. Et John, je vais au Bénis et puis j'irai faire une fin de service. Ok. Et après. Voilà, ça va prendre 5 minutes. Ça marche.
Flemme de dur. J'ai hâte de pouvoir retrouver des mouvements d'enfants. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne pas faire de mono avec Roger. Et fou n'empêche le nombre de personnes qui ont des accidents moto. Ouais, c'est juste que les personnes ne font pas attention. Et il y en a qui savent pas monter les escaliers aussi. Après, il y en a qui sont rentrés dedans par des policiers. Ça, c'est plus embêtant. Ça marche. Non, la celle avec des cheveux blancs là. Eh bonjour. Et voilà. Et ben la bonne journée à vous. Et merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.
John, c'est une fin de service, bonne soirée à tous. On n'a pas entendu. John, c'est une fin de service, bonne soirée. Et ça marche. Aucun souci, si t'en prends aujourd'hui ou pas, c'est pas un problème. Ton ta semaine d'essai commence réellement demain. Ok. Voilà, donc si tu veux tester un peu le beeper ce soir, tu peux. Mais tu te prends pas la tête. Bonne Salut. Soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Bonjour. Merci. Donc. Et hop, on va se mettre dans notre petit coin. Gonfle là. Là. Hop, quant à nous, ça sera une fin de live. Bonne soirée à tous et à plus tard.